Magie vous présente l'émission culinaire Cordon Bleu TV. C'est déjà les fêtes avec Cordon Bleu TV les amis et je suis très contente d'être avec vous. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Des entrées, des desserts, des plats de résistance? Eh bien ne vous inquiétez pas, on a pensé à tout pour vous. Et pour démarrer ces fêtes, je suis avec Edith Brou. Elle est digital manager et blogueuse. Bonjour Edith. Bonjour Amy. Je suis très contente de te recevoir. Moi également. Alors est-ce que tu es prête à cuisiner des cuisses de poulet à la ratatouille? Je suis impatiente. Allez venez les amis, c'est parti. Pour cette recette, il nous faut des cuisses de poulet, un poivron rouge, un poivron jaune, de l'huile, une courgette, à ton tour Edith. Des aubergines violettes. Oui. Du poivre. Mm-hmm. Des oignons. Oui. Et pour l'assaisonnement, du magic goût poulet. Et un magic cube. Ma très chère Edith. Oui, Annie. Alors toi, tu vas découper ces beaux poivrons rouges et jaunes en dés. Ok. Et pendant ce temps, moi, je vais découper la courgette, les aubergines violettes en dés et hacher l'oignon. Ok, c'est parti. C'est parti. Elle donne le départ. C'est parti. Alors dis-moi un peu, une super blogueuse comme toi, cuisine ou pas? Oui, bien sûr, mais je n'ai pas suffisamment de temps de le faire tout le temps. Mm-hmm. Mais quand je peux, j'aime beaucoup cuisiner le riz au gras. Mm-hmm. Et puis également la sauce graine. Ce n'est pas très bizarre, mais je suis une amie et j'adore cette sauce. Eh bien, c'est pas mal, Edith. Je vais te laisser te concentrer. Ok. Là, tu fais un super travail. Ça va déjà. C'est ouais. Bon, les dés? C'est cool. Ok, c'est cool. On va maintenant mettre nos cuisses de poulet dans le bol. Quelle est la partie du poulet que tu préfères, Edith? Principalement les cuisses. Les J'adore cuisses. Les bonnes cuisses. Et puis le dos. Le dos. Le dos du poulet. J'aime bien quand c'est un peu sec aussi, des fois. C'est comme moi. Croquer dedans. Moi, j'aime le cou, les cuisses et le dos également. Et pour donner du goût et de la saveur au poulet, il faut toujours un magique goût poulet, les amis. Alors dis-moi, Edith, est-ce que tu utilises les bouillons magie? Oui, bien sûr, le magique goût poulet. Je pense que j'ai grandi aussi avec ça, les préparations, les marinades de ma mère et tout. Donc, ça m'est resté. J'aime bien le goût et puis j'aime bien la couleur aussi. La couleur aussi, ça donne un très bon goût au poulet. Ça, c'est clair. Non seulement c'est beau, mais ça sera super bon également. J'ai hâte. Allez, hop. On pose nos cuisses de poulet dans notre huile chaude et on va laisser dorer de tous les côtés. Nos cuisses de poulet sont bien dorées, Edith. Sont adorables. Mmh. Et bien, on va les enfourner pendant 20 minutes dans notre four préchauffé à 210 degrés, thermostat 7. Voilà, c'est parfait. Et bien, maintenant, on va faire revenir tous nos légumes. Ok. Alors, tu me passes l'huile, s'il te plaît. D'accord. Merci, Edith. You're welcome. On va mettre un peu d'huile dans la poêle. Voilà. Ensuite, on va y ajouter nos aubergines violettes, les courgettes, voilà, je me passe le poivron jaune, le poivron rouge, les oignons, c'est parfait, on va mélanger le tout, bien coloré, très très coloré. Comme ton métier d'ailleurs, Edith, parle-nous un peu du métier de digital manager. Ok, c'est tout ce qui concerne la technologie, la communication sur Internet. Oui. Donc on fait des sites web, on fait également des applications mobiles et on gère également les réseaux sociaux des entreprises. C'est très très bien. Et j'ai appris aussi que tu as été l'une des premières blogueuses en Côte d'Ivoire. D'où est venue cette passion pour le blog et tout ça? Déjà, j'aimais beaucoup écrire et avec le blog, en 2009, c'était véritablement un moyen pour moi de pouvoir m'exprimer au monde, parler de mes coups de cœur ou mes coups de gueule. Je savais qu'on ne me lisait pas à l'époque, mais j'avais envie de parler et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un lectorat
Et je remercie également Israël Yoruba, qui a été un peu un modèle pour moi. Ça a été l'un des premiers également blogueurs qui m'a motivée. Coucou, merci beaucoup Israël. Coucou Israël, merci pour tout. Allez ma belle, on va maintenant poivrer nos légumes. Okay. Tu commences déjà à dégager un belle odeur. Un très bon parfum. Très appétissant. Et pour donner du goût à ces fabuleux légumes, eh bien mes amis, on va assaisonner avec un Magic Cube. Et comment tu arrives à gérer tout ça? Facebook, Twitter, Instagram? Je pense que je suis un peu folle. Parce que pour pouvoir faire ça, 24 heures ne suffisent pas. Mais c'est la passion qui me guide. Et je pense que Internet et les technologies vont beaucoup aider nos pays africains, surtout notre jeunesse africaine, à pouvoir s'émanciper. Donc j'encourage tous les jeunes qui suivent cette émission également à pouvoir utiliser de façon honnête Internet pour gagner leur vie. C'est très important. Et bien les amis, tout est dit et bien dit. Restez connectés à tout ce qui est Internet de la bonne manière. Et restez connectés également à Cordon Bleu TV. On patiente encore. On mange très bien ici. 10 minutes et on passe au dressage. Pour faire des cuisses de poulet à la ratatouille pour 4 personnes, il nous faut 4 cuisses de poulet, un poivron rouge, un poivron jaune, une courgette, 2 aubergines violettes, 2 oignons, du poivre, de l'huile, un Magic Goût poulet et un Magic Cube. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre Magic Tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Désormais, retrouvez vos bouillons préférés à 25 francs CFA dans tous les points de vente. Avec Magic, 3 saveurs, un même prix. Nestlé, good food, good life. Comment réduire le gras du poulet lors de la consommation? Eh bien, il faut tout simplement retirer la peau du poulet. Vous pouvez accompagner ce beau plat coloré avec des cuisses de poulet bien dorées, de riz ou pourquoi pas de pommes de terre vapeur. Edith, c'est un honneur pour moi d'avoir reçu l'une des 50 personnes les plus influentes de la Côte d'Ivoire, qui font bouger la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci, merci. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu et j'ai pris plaisir à également préparer ce plat avec toi, à pouvoir t'aider. Il est très beau et très coloré. Je sais que derrière votre écran, vous avez vraiment envie de pouvoir vous jeter là-dessus. Mais je pense que ça sera moi et Annie qui allons vous faire ce plaisir. Ma chérie, tu ne partiras pas sans nous parler un peu de ton projet photo. Ah oui, absolument. Je me lance dans un projet photo donc, qui s'appelle les 50 visages de l'Ivoire Tech. Donc toutes ces personnes, ces pionniers ou ces personnes qui en ce moment font bouger la Côte d'Ivoire au plan numérique. Et ça sera un projet qui sera sous la forme d'un site web que vous pourrez visiter bientôt. Merci pour votre soutien. Merci à vous les amis de rester fidèles à cette émission. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous demain pour une autre recette avec Cordon Bleu TV et Magie. À bientôt. Magie vous a présenté l'émission culinaire Cordon Bleu TV.